Salut à tous, c'est Ibiza851. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis sur Black Ops 2, sur la map Buryette Zombie, et je suis à la manche 40. Donc je m'en sors plutôt bien. Donc pour réussir ça, il nous faut le laser 2 et le paralyseur. Améliorer tous les deux, sinon ça marchera jamais. Mais si vous voulez prendre quelques atouts, ben oui, il faut quelques atouts, mais surtout Mastodonte, la réanimoto. Sauf que la réanimoto, je ne peux plus le prendre. Parce qu'on peut le prendre que 3 fois en étant solo. Donc on va solo et je fais la manche 40. 40, les amis, 40. C'est un espoir que je peux y arriver. Donc il faut un laser bien amélioré, comme je disais, et un paralyseur amélioré. Et aussi, si vous voulez, vous prenez des atouts, comme je disais. Donc, je suis avec le réanimateur, le mastodonte. Le truc 3 armes, si vous voulez, bon, donc la 3D1, c'est la haine améliorée, elle fait pas de dégâts du tout. Je pensais que ça en ferait, mais non. Après, le passe-passe, et le truc double coup pour améliorer les balles plus réservées. Là, c'est vraiment unique. Donc, voilà. Et après, si vous voulez, si jamais vous êtes dans la brouille, vous faites remonter le temps. Bon, là, je vais remonter le temps à la manche 39 si jamais je l'utilise. Donc, je vais plutôt l'économiser pour une autre manche. Donc, voilà. Donc, après, si vous voulez, vous mettez des clés mortes, mais là, je vais arrêter parce que là, il y en a plein. Et la tactique que je vous propose, c'est de mettre toutes les manches juste à côté, comme ça. Bon, ben, là, elle a bugué, je sais pas pourquoi. Elle était en haut, et là, elle est tombée. Et donc là, en fait, la tactique que je vous propose, c'est comme je vous ai dit, vous prenez le paralyseur quand vous avez presque plus de munitions au laser 2. Vous prenez le paralyseur pour le paralyser le temps.